Et bonjour à tous les amis, c'est Brez, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 11 octobre 2024. Donc avec à la une toujours le pack Billy. Donc avec Billy, donc il veut jouer à un petit jeu, partir ensemble le Pantin, Pierre Missieux cette saison et ce chapitre avec sa télé piégée qui est son accessoire de dos, qui est réactif, qui réagit aux émulations. La roulette spiralée, c'est sa pioche. Le tricycle de Billy, sa petite emote. Et la spirale tourmentée, c'est son petit revêtement d'armes animées, donc le tout pour 2500 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Billy avec sa version Lego et son accessoire de dos, pardon, pour 1500 V-Bucks. La roulette spiralée, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le tristique Billy, c'est sa petite emote pour 500 V-Bucks. Et la spirale tourmentée, c'est son revêtement d'armes pour 500 V-Bucks animé. Ensuite, vous avez toujours la série Marvel avec le Captain America et la Terreur étoilée. D'abord, il y a Captain America pour Steve Rogers. Avec sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche pour 2000 V-Bucks. Le pack Captain America, la Terreur étoilée, donc avec Sam Wilson du MCU. Avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche et son petit planeur. Avec la Terreur étoilée, avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche et petit revêtement d'armes animé. Et l'écran de chargement, le tout pour 2600 V-Bucks. Hors pack, vous avez Captain America, Sam Wilson du MCU avec sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche pour 2000 V-Bucks. La Terreur étoilée, donc avec son accessoire de réservation Lego, son accessoire de dos et sa pioche, donc est réactif, donc je pense que c'est l'accessoire de dos qui est réactif, voilà, qui réagit aux éliminations pour 1800 V-Bucks. Les braves étoilés, c'est le petit revêtement d'armes animé et réactif également qui réagit aux éliminations pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack section 3 bandes, donc avec Challenger Shield, Vengeresse en vogue, battante aux bandes, guerrière, glamour et coureuse classée, donc avec le pack, avec les personnages, leur version Lego tout simplement et leurs différentes custom pour. Moi je vois 6000 V-Bucks, je sais pas si c'est vraiment le prix, vous me direz 6000 V-Bucks. Alors, pas que vous avez la Challenger Cheese pour 1500 V-Bucks avec sa version Lego, la Vengeresse en vogue avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks, la battante aux bandes avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks, la guerrière glamour avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks, et la coureuse classée donc avec sa version Lego et ses différentes custom pour 1500 V-Bucks. Ensuite vous avez pack d'équipement donc pour 1000 V-Bucks avec, il comprend les 3 bandes volantes qui est la petite emote, la pioche et l'accessoire de dos, le tout pour 1000 V-Bucks. Alors, pas que donc vous avez 3 bandes de volantes, c'est l'emote pour 500 V-Bucks, les semelles à serrer, c'est la pioche pour 800 V-Bucks, le sac Adidas Toll, donc qui est accessoire de dos pour 400 V-Bucks, je crois que lui aussi il est. Non, il faut le customiser comme vous voulez, également les personnages que vous avez juste au-dessus. Ensuite, il y a toujours le pack Shaquille O'Neal, donc tu vois que le pack Shaq, donc avec Shaq DJZL, avec Super Shaq, pardon, dans Serial Icon, avec sa version Lego. Shaq DJZL, donc avec sa version Lego, alors chacun a un accessoire de dos, bouclier de Super Shaq, qui est accessoire de dos, la platine de Shaq, c'est notre accessoire de dos, les points de Shaq, la pioche, la hache amplifiée, c'est la deuxième pioche. Le double platine, c'est la petite emote, toujours en série icône, donc première emote, la deuxième, chaque en jouet, c'est la deuxième, et pour finir, évidemment, le tatouage de chaque, c'est le petit revêtement d'armes animé, le tout pour 3400 V-Bucks. En plus, vous avez chaque DJZL, donc avec sa version Lego, et sa platine de chaque, donc qui sont accessoires de dos pour 1500 V-Bucks. Super chaque, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche pour 2000 V-Bucks. Alors, la hache amplifiée, c'est la première petite pioche pour 800 V-Bucks, toujours en série icône. Le tatouage de chaque, c'est le petit revêtement d'armes animé pour 500 V-Bucks. La double platine, la petite Timone, toujours en série icône pour 500 V-Bucks. Et chaque en jouet, sa petite Timone pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez l'enchaîné qui fait son retour, donc avec tenue horrible. À vous de le déchaîner, fera-t-il ensemble armée du vice, saison 4, chapitre 2, donc avec sa version Lego, avec son piège vorace qui est son accessoire de dos, le tout pour 1200 V-Bucks. La masse filaire, c'est sa pioche pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour du pack bandit aux bandes avec 7, donc le souverain embaumé d'une antique nation, donc il partit ensemble bandit aux bandelettes, saison 4, chapitre 4, avec sa version Lego, avec son fourre-tout funeste qui est son histoire de dos, le képèche royal, c'est sa pioche, et bandelettes, c'est son petit revêtement d'armes animé qui réagit aux émulations pour 1500 V-Bucks. Alors pas que vous avez 7, donc avec sa version Lego, son histoire de dos pour 1200 V-Bucks, le képèche royal, donc c'est sa pioche pour 500 V-Bucks, bandelettes, c'est son revêtement d'armes créatif pour 300 V-Bucks, qui réagit aux éliminations. Ensuite, vous avez toujours le lève cruel avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. La carotte d'acier, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. La chasseuse au crâne pour 1200 V-Bucks avec sa version Lego. Le soldat au crâne, le fameux, donc il a depuis le début, saison 1, chapitre 1, évidemment, avec donc ces 4 custom différentes, comme vous voyez actuellement à l'écran.
Avec donc sa version Lego et ses quêtes supplémentaires pour débloquer, pour déverrouiller son accessoire de dos, le tout pour 1500 V-Bucks. La faucille en os, sa première pioche pour 1200 V-Bucks, c'est leur pioche. Le cercueil volant, c'est leur petit planeur pour 1200 V-Bucks également. Ensuite, vous avez IG-11 et Moff Gideon, donc autour des trucs Star Wars. Donc avec IG-11, sa version Lego, Grogu qui c'est un accessoire de dos et destructeur du droïde IG, c'est sa pioche, le tout pour 1200 V-Bucks. Le pack Moff Gideon, donc avec Moff Gideon, sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche, son emote et son red panda, mais le tout pour 2500 V-Bucks. En pack, donc vous avez IG-11 avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks. Moff Gideon avec sa version Lego, son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. La lance de force, c'est ça. C'est sa pioche à Gideon pour 1200 V-Bucks. Le Grogus, accessoire de dos réactif, donc il réagit aux éliminations pour 600 V-Bucks de IG-11. La colère de Gideon, son répandant d'armes réactif également, qui réagit aux éliminations pour 500 V-Bucks. Le destructeur du droïde de IG, donc c'est la pioche de IG-11 pour 800 V-Bucks. C'est toujours la série Star Wars également. Ensuite, il y a les signes emblématiques, toujours avec le retour du pack Apollon. Donc avec Apollon, c'est version Lego. Son accessoire de dos, sa pioche, son vêtement d'armes pour 2000 V-Bucks. Alors, pas que vous avez Apollon avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1800 V-Bucks. Son rayon éternel, son vêtement d'armes animé, réactif, pardon, qui réagit aux éliminations pour 500 V-Bucks. Le pack Peloton des Pantins, donc toujours avec le retour de Pantin, sa version Lego. Son accessoire de dos, sa pioche et son vêtement d'armes, le tout pour 1500 V-Bucks. Alors, pas que vous avez Pantin avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Caboche, c'est sa pioche pour 500 V-Bucks. Et Crash Test, son petit vêtement d'armes pour 300 V-Bucks. Ensuite, toujours en série icône, le pack de tenue de Carole G, donc avec sa version Lego. Son accessoire de dos, son vêtement d'armes, sa piste musicale et son micro pour 2200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Bonito Jams, donc c'est toujours du Carole G, donc avec ses deux emotes et les deux piste musicale, donc toujours en série icône pour 1400 V-Bucks. En pack, donc vous avez Carolina, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Bonito, c'est son vêtement d'armes animé pour 500 V-Bucks. Le micro de la tournée NSV, son petit micro pour 800 V-Bucks, toujours en série icône. Et Provandia, c'est sa petite remix, sa première piste musicale remixée, pardon, son petit remix, donc pour 500 V-Bucks. Voilà, ensuite vous avez la Okidoki, c'est son emote, donc première emote, donc pour 500 V-Bucks, série icône, donc voilà, tout simplement, donc. Ensuite, vous avez la Cairo, donc la deuxième petite emote, série icône également de Carole G. Donc voilà, ce matin dans la boutique également, qui se vend toujours là, par contre. Donc ensuite, vous avez la Cairo, donc c'est la petite piste musicale qui va donc avec l'emote pour 500 V-Bucks également. Et ensuite, pour finir, la Okidoki, la petite piste musicale pour 500 V-Bucks toujours en série icône. Ensuite, équipez-vous pour le Fortnite Festival, donc avec la citrouille punk, la batterie pour 1000 V-Bucks, la mélodie de Mommy. C'est la petite guitare pour 800 V-Bucks. La banana sanas, c'est la basse, la petite basse pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Wizard Blues, donc avec Say It So, Undone the. Alors, je ne sais pas. The Winter Song et Buddy Holly, donc c'est Wizard. Donc, c'est le pack pour 1100 V-Bucks. Sinon, vous avez chaque piste musicale pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez du Billie Eilish, du The Weeknd, du Lady Gaga, du Selena Gomez. Du Ariana Grande, donc vous avez 240 pistes musicales ce matin, voilà, de dance, donc également, donc, avec pas mal de groupes connus, donc, vous avez 240 pistes musicales pour 500 V-Bucks Lean, si vous voulez les acheter, pour les avoir dans votre casier, sinon vous retrouvez tout dans le Fortnite Festival. Ensuite, vous avez toujours le pack Nissan Skyline, donc avec le pack Fast and Furious Nissan Skyline, donc avec le châssis de Fast and Furious, donc avec les différents stickers et les deux roues pour 2500 V-Bucks, le pack Insidio, donc avec le châssis Insidio et les différents stickers pour 1500 V-Bucks, Turbo Evis et Boulon, donc c'est le petit turbo pour 400 V-Bucks, les roues Yuzo, donc les petites roues un peu customisées pour 400 V-Bucks, le Turbo Exode Flash, c'est le petit turbo pour 250 V-Bucks. Ensuite vous avez pour Lego Fortnite, la salle de repos de combat, donc pour 400 V-Bucks, c'est un pack de décoration. Et la chambre de bus de combat, donc le pack de décoration pour 200 V-Bucks, c'est pour le Lego Fortnite. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de vous acheter le pass festival de la saison 5, donc avec Carole G, des nouvelles customs, des nouveaux instruments, des nouvelles pistes musicales. Vous en débloquez une partie gratuite en faisant juste du Fortnite Festival, mais si vous voulez avoir plus de choses, il vous faut acheter le pass festival pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pass Lego, donc là, c'est avec la banane Vérine, des nouvelles constructions, des nouvelles customs, donc tout simplement, donc c'est pour le Lego Fortnite. Là, pareil, vous débloquez une partie gratuite en jouant Lego Fortnite, sinon vous avez, si vous voulez voir le reste, il faut acheter le pass pour 1400 V-Bucks. Ensuite, il y a toujours le pack de gains de niveau de Zen, donc toujours, donc avec sa version, toujours avec la tenue, donc obtenez la tenue Zen à l'achat, et accomplissez des quêtes hebdomadaires de Battle Royale pour gagner jusqu'à 28 niveaux et libérer des récompenses cosmiques. Accomplissez des quêtes en obtenant des jetons de gains de niveau dissimulés sur la carte chapitre 5 avant la fin de la saison 3. Chaque semaine, cette nouvelle quête devient disponible et peuvent être accomplies jusqu'à la fin de la saison le 2 novembre. Accomplissez les quêtes pour déverrouiller, donc chaque quête
un niveau entier sous forme de d'XP par jeton. Semaine 1, accessoire de dos, mante astrale. Semaine 2, la pioche épée de Proxima, donc elle est déjà disponible. Semaine 4, la style armure de Chitin pour la tenue zen à partir du 22 octobre. Ça, c'est pas encore disponible, ça sera la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Non, la semaine d'après, pardon. Il reste encore une dizaine de jours, c'est ça, la semaine prochaine. Donc accomplissez toutes les quêtes de 28 au total pour libérer toutes les récompenses cosmiques, le tout pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack à offre spéciale, donc toujours avec le pack de démarrage Lego Fortnite pour opération fluo pour 3,75€. Le pack de brigade du crâne, donc avec les trois personnages en version Lego, leurs accessoires de dos et leurs pioches pour 22,99€. Ensuite, vous avez toujours le pack de quêtes de toucher d'or pour 13,75€, donc avec Marie d'or, sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche et son petit écran de chargement, pardon. Le tout pour 13,79€, donc il y a des quêtes supplémentaires pour gagner 1500 V-Bucks. Donc le pack Fortnite Pack Fight Infini, donc avec les trois personnages en version Lego, leur accessoire de dos et leur pioche pour 17,25€. Ensuite vous avez le pack Légende Corrompue, donc avec les trois personnages de la version Lego et leur accessoire de dos pour 18,49€. Et pour le même prix, donc vous avez le pack Démolition Enflammée, donc toujours avec le personnage, sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche. Un accès permanent à la campagne sur le monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans le monde. Terminez la défense de bouclier anti-tempête boss de 3 pour délivrer les quêtes dans la même soirée de défi. Donc tout simplement pour 12,49€. Et ensuite, sinon, vous êtes sur possibilité de souscrire au club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélité au club, donc des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est délivrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club. Accéder au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous êtes déjà passe de combat, ils vous remboursent 950 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Paulus, sa version Lego. La rune de la tentation, c'est son accessoire de dos. La laminée, c'est sa pioche. Donc voilà, le tout pour 12€ par mois, les amis. Si vous souscrivez, c'est toujours le club Fortnite. Voilà, nous avons déjà au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager si celle-ci vous a plu, bien évidemment. Si toi, tu es derrière ton écran, tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que la chaîne te plaît vraiment, n'hésite pas à le faire, hein, c'est gratuit. Tu cliques sur s'abonner, tu peux activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties de vidéos. Et pour le soutien, vous le connaissez par cœur, c'est le code Brasier en majuscule, en minuscule, à l'outil de Fortnite. N'hésitez pas à le mettre, à le remettre tous les 14 jours parce qu'après il disparaît à chaque fois. Donc c'est pour laisser la place à de nouveaux créateurs. Donc n'hésitez pas tous les 14 jours à le remettre dans la boutique, les amis, si vous avez oublié de le faire. Vous mettez Brasier en majuscule, en minuscule, ça marche quand même. Vous mettez fouillé, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien. Et...